Eh bien, salut à tous, c'est VoroxFR, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Injustice, le premier Injustice. Alors, si vous vous rappelez bien, il y a 7 mois, j'avais fait une vidéo avec mon ami Spiders sur Injustice 2. Et franchement, j'avais kiffé faire la vidéo avec lui. Et donc, aujourd'hui, on va tester Injustice 1, le premier Injustice, voilà, pour pouvoir vous montrer la différence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire arcade. Et c'est parti. On va faire en normal. Et on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Allez. On va prendre Superman. Alors, choix de difficulté, on va faire facile, voilà. Donc, ça va être une vidéo où je vais vous présenter Injustice 1. Donc la jaquette ressemble à ça. Voilà. Voilà, elle ressemble à ça. Donc c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Et je compte sur vous pour un maximum de likes. Ça me ferait extrêmement plaisir. Alors pour la qualité, je suis désolé. Hein. Je filme avec mon appareil photo. Donc s'il y a des petits focus qui se mettent. Je suis vraiment désolé d'avance. Donc, let's go. Je suis vraiment pas très fort en plus à ce jeu, donc c'est pour ça que j'ai mis facile. Par contre, combat, s'il te plaît. Et franchement, les jeux comme ça, ils ressemblent un peu à Mortal Kombat. Voilà, c'est un jeu avec... on peut choisir plusieurs personnages, que ce soit des gentils ou des méchants. Et c'est un peu le même système, mais en plus gore. Et franchement, les jeux comme ça, c'est vraiment cool à deux. On peut vraiment s'amuser. Voilà. Dites-moi si vous avez un Injustice, voilà, si c'est le 1 ou si c'est le 2. Voilà. Si vous avez la PS3, franchement, Injustice, je vous le conseille. Il est vraiment génial. Tac. On va le défoncer. Donc voilà pour le premier combat, les poteaux. J'espère qu'il vous a fait kiffer. Donc en fait, là, si je comprends bien, donc ouais, il y a plusieurs adversaires à combattre. Donc là, maintenant, on va devoir combattre d'être... J'ai pas vu comment il s'appelait. Ok. Donc, bah, c'est parti, hein, les amis. Il est vraiment badass, hein, franchement. Ça va être facile. Et dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur des jeux mobiles, voilà. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir et puis ça vous permet de participer, donc ça c'est cool. Oh, c'est violent. Il a défoncé là. Attends, tac, prends ça là. Oh, allez, on a défoncé Deadshlock. Deadshlock. Deuxième combat réussi. Maintenant, on va combattre contre... C'est qui lui? Adversaire 3, Black Adams. Ok. Ok. Donc, let's go. Je compte sur moi un maximum de likes pour la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi, rejoignez-moi sur Instagram. Franchement, ça ferait plaisir.
Je compte sur vous. D'ailleurs, respecte tellement pas Black Adams. Il l'a pas respecté. Oh, comment il a défoncé, putain. Ouais, donc ça va être une petite vidéo, voilà, je pense qu'elle va durer à 10 minutes maximum. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc là, je vais être contre Aquaman. D'ailleurs, dites-moi si vous avez vu le film Aquaman, voilà, il vient de sortir il n'y a pas longtemps au cinéma. Donc dites-moi si vous l'avez vu, moi perso, je ne l'ai pas encore regardé. Mais franchement, j'aimerais bien. Ah oh, ouais, les requins, franchement. Ah oh, ouais, ils sont chauds les requins. Oh putain, ils font flipper. Ce qui est bien dans l'injustice et dans les Mortal Kombat, c'est qu'on peut parfois interagir avec les objets. Par exemple, je peux prendre Superman et balancer Aquaman contre une bonbonne de gaz ou contre un missile, par exemple, au KLM. Et ça, c'est vraiment cool. Alors là, je ne sais pas si je peux le faire maintenant. Attendez. Ah, ok. Je danse. Hihi. Ah ouais. Déjà, il donne plus de coups à Aquaman. Oula, 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 oula. Ouh, oh, oh, oh. Ouh, ça fait mal, ça. Merde. Oh, putain. Ah ouais, ouais, il est vachement, il est chaud, hein. Au départ, tu vois, j'étais tranquille. Je me suis dit, bon, ça va, ils vont pas bouger. Mais là, ça va, hein. Ils s'énervent un peu à quand même, c'est chaud. Oh. Je peux rivaliser, ou presque. Oh, oh. Dites-moi si vous êtes plus PS3 ou PS4. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, elle est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous un maximum de likes pour cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis dites-moi si vous avez Injustice 1 et les deux. Et si vous avez les deux, le 1 et le 2, bah, dites-moi, ça m'intéresse. Voilà, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et je compte sur vous vraiment un maximum de likes pour cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, je vous ai présenté Injustice 1 pour pouvoir vous montrer la différence entre le 1 et le 2. Alors au niveau graphique, c'est sûr que vous allez voir un changement parce que sur le 2, je filmais avec ma PS4 directement. Et pour le 1, bah, vu que c'est une PS3, j'ai dû filmer avec mon appareil photo. Donc niveau graphisme, vous allez vite voir, mais je veux dire... pour les personnages et tout ça, ils changent et il y a vraiment une différence de ce niveau-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, que j'ai déjà dit, mais je le répète, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout sur Atta, je suis très actif. Sur Instagram, je suis vachement actif, donc je compte sur vous. Voilà les amis, moi je vous souhaite une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bonnes vacances et à la prochaine. Allez, ciao, je vous kiffe les mecs.
back from the dead.